Moi, je m'appelle Anaïs Guinet. Je suis en deuxième année en infographie 3D, temps réel, à Sifacom. J'ai fait un stage cet été de première année, ce qui est assez rare quand même, donc je suis assez contente. J'ai été à Dassault Systèmes 3D, c'est la section 3D à Vélizy. C'était un stage qui m'a appris beaucoup. Les expériences qu'ils essayaient de faire, d'aller de l'avant dans le 3D, d'essayer de toujours aller plus loin, toujours dans l'expérimentation. Donc j'ai un peu regardé tout ça. Je les ai un peu aidés aussi au niveau de leurs travaux. Donc j'ai fait un peu de 3D pour eux. Un peu de modélisation, de texture, un peu ce que j'ai touché à l'école. Et donc, c'est mon professeur qui m'a trouvé ce stage. Il a conseillé plusieurs élèves. On a tous envoyé notre CV, notre book, et on a été sélectionnés en fonction de tout ça. Donc, je fais partie de ceux qui sont sélectionnés, donc c'est super. Mais franchement, c'est grâce à lui, parce que je pense pas que j'aurais trouvé ce stage sans lui. Enfin, pas en première année du moins. Ce qui me plaît dans la 3D, c'est la modélisation et la texture. Donc, peu importe que ce soit des jeux vidéo, du cinéma d'animation ou des FX, hein, l'important c'est que je modélise, j'adore ça, je pourrais faire ça toute la journée. Avant d'arriver dans cette école, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Vraiment, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que je faisais. Et depuis que je suis entrée dans cette école, j'ai beaucoup de confiance en moi. Je sais vraiment ce que je veux faire. C'est vraiment, je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. C'est vraiment, je sais que c'est ça et c'est pas autre chose. Donc c'est vrai que je pense que quand je sortirai de là, même si cette école est toute nouvelle, même si c'est pas forcément les Gobelins ou autres, je sais que de toute façon, si on veut, on peut arriver loin. Il suffit juste de le vouloir et de trouver sa voie. Il faut être passionné par son métier parce que c'est ce qu'on fera toute sa vie. Donc, si on ne l'est pas, forcément. Donc, dans cette école, j'ai trouvé vraiment ma passion, quoi. Et ce stage me l'a confirmé que c'est vraiment ce que je veux faire. Je vais passer ma vie à faire ça.